Here. Moteur. 5, 4, 3, 2, 1, tartare. Hey Didier. Jean-Georges, bonjour. T'es comment ? Toi ? La journée. Très bien. Jean-Georges, 30 ans pour le festival cette année. Oui. Un événement, un grand événement et tartare dans l'événement. Ah oui, c'est un sacré événement parce que j'ai fait le calcul, tu sais que j'aime bien les maths. J'ai calculé qu'en 30 ans, il y a à peu près 40% de la population d'Aurillac qui a été changée. Ceux qui sont morts, ceux qui sont nés. Donc, il faut recommencer le boulot. Tu comprends ? Donc, un nouveau spectacle. Ben, un spectacle, plus qu'un spectacle, avec Eric, on est revenu avec nos tronches d'antiquité et cette autre antiquité qui est le cadre pour aller papoter avec les gens, j'ai failli dire, avec les spectateurs. C'est pas ça du tout, parce que les Aurillacois sont tellement mariés avec le théâtre de rue, c'est plus des spectateurs, c'est des frères. Donc on a papoté avec les frères et on a, je crois, 2 ou 3 heures de rencontres comme ça, assez formidables, dans lesquelles il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, ça nous a touchés. Et ce sera visible au musée d'Aurillac, au musée du Parapluie, je crois que ça s'appelle, et puis aussi du côté du bureau des festivals. Ce sera notre façon de tendre un miroir à la fidélité des Aurillacois pour les saltimbanques. Voilà. Une question pour les 30 ans du festival, pour toi et Eric. Le cadre, quel souvenir ? Tout de suite, Pierre Mauroy, avec lequel j'ai parlé ch'ti, quelques jours après sa nomination comme Premier ministre. Chaban Delmas, qui me raconte sa première histoire de cul. Le service de l'Elysée qui nous vire de la cour. La fête du mouton, je ne sais où, où je me suis fait avoir, alors que je maîtrise un peu les situations en général, mais là, je me suis fait avoir par des tondeurs qui ont réussi à m'encadrer. La fête de l'humanité, c'est pas petit. Le journal, la fête de l'humanité, et comme le siège de l'humanité était juste à côté de la basilique Saint-Denis et qu'il fallait attendre que le patron de l'humanité arrive, j'ai raconté à tous les communistes l'histoire d'un des plus grands communistes de l'histoire, c'est la vie d'un des plus grands communistes de l'histoire. Je vais parler du Christ, bien sûr, ça leur a beaucoup plu. Je ne peux pas dire perdu, mais je pourrais dire Frédéric Mitterrand, place de l'Hôtel de Ville à Aurillac. Ah ça, Aurillac, oui, c'est... J'ai passé, ça a été filmé, je crois même que c'est toi qui l'as filmé, et que comme tu fais toujours des chants contre chants, je me suis attardé sur certains plans. Et il faut espérer une chose, c'est que l'énergie qui gonfle les batteries des spectateurs et des artistes vienne jusqu'à vous et vous permette longtemps encore de présider la mission qui est la vôtre du côté de l'animation, de la création, de la diffusion, qui ici trouve un foyer extraordinaire et merveilleux. Et c'est sous vos applaudissements que je salue les édiles adulés sous vos applaudissements. Oh, applaudissements voilà. Et ce que j'avais cru ressentir s'est avéré être exact. Après une bonne analyse de l'image, il m'a mis la main au cul. 30 ans de souvenirs, 30 ans d'amitié, 30 ans d'émotion, 30 ans de festival, ton meilleur souvenir, ta plus belle rencontre. Oh, je ne vais pas rendre quelqu'un jaloux, mais au début de ta question, ça m'a amené sur une chose qui compte énormément pour moi, avec un F majuscule, c'est la fidélité. Parce que dans le spectacle, on est dans l'hystérie, on est dans la délinquance relationnelle en permanence, on parle à plein de gens, on leur dit au revoir, on ne les voit plus jamais. Alors que quand on a la chance d'avoir une case, une maison comme celle-ci, qui est une ville entière, et de vieillir avec les gens, de mûrir avec eux, parce que mûrir, dans leur appréhension du spectacle, dans leur culture, ils ont leur propre culture. On ne vient pas faire de l'action culturelle ici, ils ont leur culture rurale, leur culture cantalou, leur culture de résistance, d'anarchiste historique, ils ont ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on échange nos cultures dans la fidélité en prenant le temps. Et ça, c'est un accompagnement de vie qui est non seulement inoubliable, mais qui est qu'on ne peut pas négliger, qui fait partie de ce qu'on est. De ce qu'on est. Et je crois que je suis d'Aurillac. Je vais le dire. Aujourd'hui, je suis d'Aurillac.
Jean-Georges, le mot de la fin pour commencer les 30 ans. Le mot de la fin pour commencer les 30 ans, eh bien, je vais te le dire, quand Jean-Marie m'a dit à la fin du dernier festival, qu'est-ce qu'on peut faire pour les 30 ans, je lui ai dit, on va faire un cimetière. C'est mon âge, je suis une antiquité, donc je pense à la suite. Et je le dis en blaguant, et parce qu'on est mortel, et sans blaguer, parce que les lieux ici sont hantés par quelques grandes figures, et je vais en citer que deux. Une, c'est Gino Ryazzone, qui était un magnifique jongleur de mots et de balles, et je passe pas un festival sans aller sur la place où il a fait ses débuts. Il nous a quittés, il y en a un autre qui nous a quitté cet hiver, c'est le grand Michel Crespin, celui qu'on dit pape du théâtre de rue, et on a tort, parce qu'il était, il est pas pape, il est pontife. Pontif, ça veut dire quoi? Ça veut dire constructeur de ponts. Il fait des arches, il a fait plein d'arches. Et sur cette arche, danse une multitude de compagnies. Et puis il y en a un qui n'est pas mort, mais que je vais citer quand même, puisque je parle de l'âge. C'est Jacques Lichine, qui m'a mis un petit mot sur Facebook hier. Et qui dit, à notre âge, on a une chance, puisqu'on a commencé à 30 ans, ou à 40 ans, on en a un peu plus, on a une chance, c'est que les relations publiques, la presse, la promotion de spectacles, l'intermittence, tout ça, on commence à s'en battre les fouilles. Hein. Donc, jouissons du futur, jouissons des merveilleuses années à venir, et inventons des paradigmes. Tiens, je rentre à l'intérieur du cadre, je fais un gros plan sur toi, Jean-Georges. À bientôt, au mois d'août. À tout de suite. C'est beau de piliers du Festival de Théâtre de Rue. Non mais c'est dingue, on a passé une photo quelque part ce matin, et ça donne ça, on t'a pris pour je sais pas qui, et moi je sais pas qui. C'est... On m'a pris pour le gourou des Beatles. Toi et moi ? Qui était un sacré escroc. Et toi on t'a pris pour, je connais rien, en chanson française. Pour Luigi. Non, Moussachi, un peu beau mec. Et puis on t'a pris aussi, j'en parlais à l'instant, pour Michel sorti de la rivière. C'est pas du meilleur goût. Here.